Au cours du printemps de 1899, Sherlock Holmes réussit à résoudre une affaire très embrouillée de vol de documents secrets dans une ambassade étrangère de Londres. Grâce à lui, un monarque d'un petit état des Balkans, le roi Conrad, put sauver son trône. En remerciement, il nous invita, Holmes et moi, à assister à une partie de chasse. Ayant accepté avec enthousiasme, nous nous retrouvâmes quelques jours plus tard dans un pavillon situé en pleine forêt. Dis la bonne aventure au roi. Pas la mienne. Dis-la au prince Stéphane. Auriez-vous peur de votre avenir, cousin? Je vous répondrai quand je connaîtrai le vôtre. Vous serez déçu, Conrad. Je suis sûr d'avoir une vie longue et paisible. Dis-leur, petite. Remettez-vous, Stéphane. Vous ne prenez pas ça au sérieux. Oh non, c'est un peu désagréable, c'est tout. Ça n'est pas encore une de vos plaisanteries, j'espère. Je vous assure que non. Il est évident que cet enfant était réellement effrayé, prince Stéphane. Elle est partie en laissant son argent sur le plancher. Oublions tout cela. Et portons un toast à... Je ne sais pas à quoi, je dois l'avouer. Nous avons bu déjà à nos hôtes et à tous les gens de ce pays. À la beauté, Votre Altesse. Attentionné comme toujours, Comte Magor. C'est votre second versement, Comte Magor. Stéphane! Rappelez-vous les heures merveilleuses passées à Monte-Carlo. Poison. Mais je ne peux pas dire lequel avant d'avoir fait une autopsie. Watson, aurait-on pu le verser dans son verre avant de porter le dernier toast? Oui, c'est impossible. Si c'est un poison à action rapide. Hein? Ça semble presque incroyable qu'on puisse commettre un meurtre aussi vite et aussi facilement en présence d'autant de témoins. Vous savez, Holmes, je suis arrivé à la conclusion que ces gens sont tous fous furieux. Je n'ai pas eu une minute de calme depuis que nous sommes ici. La question, Watson, est qui avait le meilleur motif, y compris le roi, très capable de tuer si le besoin s'en faisait sentir. Entrez. Majesté, voulez-vous... Messieurs, asseyez-vous, je vous en prie. Quel choc. C'est terrible. Mais j'ai bien peur que les conséquences ne soient encore plus terribles. Une guerre? Stéphane est venu ici sur ma demande, en qualité d'ambassadeur de son père, le roi Johann. J'avais espéré le persuader de signer un pacte de non-agression afin de diminuer la tension régnant entre nos deux pays. Malheureusement, il semble que le roi Johann ait... plus intéressé à se trouver une excuse à une guerre qu'à essayer de l'éviter. Et maintenant, il a son excuse. Plus une colère justifiée. Le roi Johann doit arriver demain pour ramener le corps de son fils dans son pays. Il faut que je sois lavé de tout soupçon avant qu'il ait quitté ce pavillon demain soir.
Monsieur Holmes, voudriez-vous m'aider? Je ne peux que vous promettre d'essayer, Majesté. Mais je tiens à vous prévenir que la rapidité et l'adresse de notre meurtrier peuvent mettre d'autres vies en danger avant que nous n'ayons résolu cette affaire. Pourquoi le verre du prince Stéphane a-t-il été emporté à la cuisine et lavé, comte? Je l'avais mis de côté, mais les domestiques ont dû l'emporter avec les autres. Une analyse ne servirait plus à rien maintenant, Majesté. Avez-vous d'autres questions à poser au comte Magor, Monsieur Holmes? Non, Votre Majesté, aucune pour l'instant. Vous pouvez disposer, comte Magor. Magor est un excellent écuyer, Monsieur Holmes. Il est violent, mais très dévoué. C'est certain. Mais dites-moi, Majesté, que savez-vous de la princesse Antonia? Elle était une amie de Stéphane. Mm-hmm. Et sur son passé? Je sais qu'elle appartient à une famille royale ruinée. La connaissez-vous depuis longtemps? Quelques années. Je l'ai connue à Monte-Carlo. En fait, là-bas, je suis tombé amoureux d'elle. Rien de surprenant à ça. Tous nous l'étions. Y compris Stéphane. Elle était attachée à un autre homme que je respectais et je ne me déclarais pas. Stéphane usa de moins de discrétion et nous supplanta tous auprès d'elle. Vous avez dû lui en vouloir? Non, pas vraiment. Stéphane et moi n'avons que très rarement de disputes, sauf en politique. C'est un mensonge. Ou alors auriez-vous oublié ce qui s'est passé ce matin? Que voulez-vous dire, Antonia? Après tout, peut-être me suis-je trompée. Vous avez porté une accusation. Je m'en excuse. Si vous aviez encore besoin de moi, Monsieur Holmes, je serais dans mes appartements. C'est entendu, Majesté. Je vais me retirer aussi, Majesté. Je ne voudrais pas que vous pensiez que j'ai pu parler derrière votre dos. Bonne nuit, messieurs. Vous devriez vous faire faire les lignes de la main ce soir. Il y a une bohémienne qui dit des choses stupéfiantes. Enfin, Holmes, où veut-elle en venir? Oh, je crois, Watson, qu'il pourrait être intéressant de découvrir. Oui, probablement très intéressant. C'est mort. Je le sais. Je l'ai vu dans sa main. Avez-vous vu autre chose que ce qui était écrit dans sa main? Oui. Je les ai vus tous deux se quereller. Le roi et le prince? Je me trouvais dans la cuisine. J'attendais qu'on vienne me dire que c'était mon tour de danser. Mais en entrouvrant une porte, j'ai vu les deux hommes se préparer à se battre en duel. Magor, 10 florins d'or sur le prince Stéphane. D'accord, princesse, je gagnais d'avance. Plus vite dans vos parades, Stéphane. Touchez! Votre poignet, Stéphane. Une égratignure. Il vaut mieux vous faire penser. Comte Magor. Oui, Majesté. Allez prendre une nappe sur la table. Il faudra prendre des leçons, Stéphane. Vos réflexes ont perdu de leur rapidité. Il se peut que j'ai besoin de leçons d'escrime, mais en tout cas pas de leçons de sportivité, moi. Que voulez-vous dire? J'étais sans garde. Un vrai sportsman n'attaque pas un adversaire sans défense. Je me rappellerai cette remarque, Stéphane.
Et je veillerai que vous ne l'oubliez pas non plus. Allons, messieurs. Monsieur Holmes et le docteur Watson ne vont pas tarder à revenir de leur promenade. Alors, je n'ai pas regardé davantage. Merci, vous m'avez été très utile. Je crois que cet assaut amical de ce matin appelle une enquête plus approfondie. Venez, Watson. Dites-moi, Majesté, qui a proposé l'assaut d'escrime ce matin entre vous et le prince Stéphane? La princesse Antonia. Et où sont les épées? Là. Ça ne vous ennuierait pas que je les examine? Non. Merci. Est-ce l'épée dont votre majesté s'est servie? Oui. Est-ce vous qui avez eu le choix des armes? Oui. Je vois que la pointe de cette épée a été trempée dans du poison. Je pense qu'il y a un malentendu entre nous, monsieur Holmes. Ma demande et vos ordres sont de me disculper, non de me condamner. C'est une preuve formelle. Le roi avait le choix des épées. Donc, il était sûr de vaincre et d'empoisonner le prince. C'est une preuve, Watson, mais malheureusement, pour notre sécurité, elle n'est pas concluante. Que voulez-vous dire? Nous devons poursuivre notre enquête jusqu'à ce que nous obtenions une preuve absolue. À ce moment-là, les faits parleront d'eux-mêmes. Ah oui, mais si vous prouvez qu'il est coupable, vous déclenchez une guerre. Je le sais, Watson, mais je ne peux que taire les faits. Je ne peux pas les modifier. Oh, eh bien, allons déjeuner. Si nous sommes condamnés à mort, profitons au moins de notre dernier pas. Vous avez raison, Watson. Oui, c'est la vérité. Watson, éloignons-nous. Vous rappelez-vous comment vous m'avez appelé à Monte Carlo? Une princesse vagabonde. Une vagabonde royale folle d'ambition. Vous n'aspiriez qu'à une seule chose au monde. Un trône. Et j'y aspire toujours. Conrad, je vous ai vu manier les épées hier dans la matinée, avant votre assaut avec Stéphane. Oui, la poignée de l'une d'elles avait du jeu. J'ai... Je ne l'ai pas dit à Monsieur Holmes encore et je ne le ferai pas. Si... Si quoi? Votre trône est un trône plein de séduction et on m'a déjà dit que je ne manquais pas de séduction moi-même. Vous auriez pu l'avoir sans recourir au chantage. J'étais prêt déjà à vous épouser à Monte-Carlo. Quand vous avez choisi Stéphane, je n'ai pas cessé de vous aimer depuis. Vous? Vous m'aimez? Dites à M. Holmes tout ce que vous voudrez. Conrad, je ne savais pas... Sortez. Je... Sortez! Monsieur Holmes. Princesse. Cela pose un dilemme pour vous, n'est-ce pas? Vous, Anglais, vous êtes gens d'honneur. Êtes-vous prêt à sacrifier votre honneur pour lui? Vous avez entendu? Mais oui, Majesté. Je n'ai pas tué le prince Stéphane. Et cependant, ce que je connais suffirait à vous faire condamner en cour de justice, vous savez. Monsieur Holmes, vous représentez un danger pour moi. Ai-je votre parole que... Lorsque le roi Joran arrivera, vous oublierez toute preuve que vous pourrez avoir contre moi. Non, je regrette, Majesté. Vous prenez, vous ainsi que le docteur Watson, de gros risques? Je l'ai compris au moment où j'ai commencé mon enquête, Majesté. Comte Magor! Oui, Majesté. Veillez que la princesse Antonia soit enfermée dans sa chambre. Monsieur Holmes et le docteur Watson sont mis en état d'arrestation. Mais vous oubliez, Majesté, que nous sommes sujets britanniques? Pour le moment, cela n'a guère d'importance. Intéressante situation, hein, Watson? Oui, fantastique.
Mais voyons, Holmes, ils ne peuvent pas nous jeter en prison comme ça, nous, Anglais, sans motif ni raison. Oh, je parierais qu'ils peuvent. Oh, c'est déjà fait. C'est ce que je voulais dire. Pourquoi a-t-il demandé que vous fassiez une enquête? C'était de la folie. Ça ne pouvait qu'apporter les preuves de sa culpabilité. Nous n'avons pas les preuves de sa culpabilité. Ce sont seuls les faits qui sont contre lui. Hein? Mais vous avez dit que ça suffisait pour le faire condamner. Oui, mais il nous manque le point qui est le plus important. Le mobile. Ah. Peut-être parce qu'il n'est pas apparent. Qui tire le plus de profit de la mort de Stéphane? Personne. Exactement. Et qui perd par elle? Voyons, attendez, la princesse Antonia perd son trône. Et le roi Conrad entraîne son pays dans une guerre pour laquelle il n'est pas du tout préparé. Ça nous amène donc au comte Magor. Magor? Pourquoi il ne perd rien? C'est ce qu'on peut croire, mon cher Watson. Quelle est votre idée derrière la tête, Holmes? Surveillez le garde, Watson, et dites-moi quand il viendra par ici. Bien. Watson, vous rappelez-vous ce que Stéphane a dit juste avant de perdre connaissance? Non, je ne me rappelle rien, excepté... Eh bien, c'est passé presque inaperçu dans l'affolement général. Mais il a lancé l'argent de la bohémienne à Magor et il lui a dit quelque chose à propos d'un second paiement. Le garde. Mais qu'avez-vous dans le nez, Watson? Hein? Oh! Oh, regardez! Oh, encore une autre derrière votre oreille. Écoutez, vraiment, Holmes, l'heure n'est guère choisie pour s'amuser. Vous avez peut-être raison, mon vieux. Hé, approchez, approchez. Un petit tour, le nez. Hein? Oui. Et voilà, une jolie pièce. Vous prendre? Hein? Bon. Maintenant, hein? Oreille. Oreille? Hé, hey, Watson! Non, allons délivrer la princesse Antonia, venez. Oh! Bien paré. À vous, Holmes, touché. Défendez-vous! Défendez-vous, Holmes! Faites attention! Ah, Watson! Hop là! Ah, vous n'auriez plus, Holmes. L'escorte du roi est annoncée, Majesté, à 1 kilomètre du château. Mais que vais-je lui dire, Magor? Ne lui dites rien, Majesté. Il n'a aucune preuve contre vous. Le seul fait de me soupçonner sera suffisant pour lui. Je dois prouver mon innocence. Le comte Magor? Oui. Mais Holmes, il n'est en rien mêlé à tout ceci. Il a pu enduire de poison la pointe de l'épée. Non. Réfléchissez, comment pouvait-il savoir l'épée que le roi allait choisir? Voyons, la logique élimine le comte. Pas si l'épée n'a été empoisonnée qu'après le duel, Watson. Pour faire retomber les soupçons sur le roi? Le verre de vin, peut-être bien. Je ne crois pas, Watson. Princesse, quand le prince Stéphane a été blessé, qui a pansé sa blessure? Magor.
Nous devons descendre immédiatement et nous avons très peu de temps, Altesse. Mais Holmes, ça ne nous mènera à rien. On a brûlé les pansements, vous ne pourrez rien prouver. Oui, les preuves sont indispensables, Watson. Et il arrive qu'on puisse les recréer. Êtes-vous prête, Altesse? Oui. Très bien, suivez-moi. Johan a lancé l'ordre secret de mobilisation. Il prendra effet au moment où il repassera la frontière. S'il est résolu à avoir la guerre, rien ne pourra l'en dissuader. Êtes-vous vraiment sûr de ça, comte Magor? Si le roi Johan avait été placé devant la vérité, il n'aurait plus de raison de faire la guerre. N'est-ce pas, comte? Pourquoi tirer votre épée, comte Magor? Nous sommes sans armes. Rentrez votre épée, comte Magor. Quelle vérité, monsieur Holmes? Ils veulent gagner du temps, Majesté, afin d'être en liberté quand le roi Johan arrivera. Pas du tout, comte. Nous avons réussi à découvrir la dernière preuve dont nous avions besoin. Et elle vous disculpe entièrement, Majesté. Quelle est-elle? Pourra-t-elle convaincre le roi Johan? Je pense que oui. Nous avons trouvé ce qui contenait le poison. Mais de quoi parlez-vous, Holmes? Nous l'avons trouvé, Watson. N'est-ce pas, comte? Défendez-vous, monsieur Holmes. Rendez-moi ce bouton ou défendez-vous. Rentrez votre épée, comte Magor. Je compte jusqu'à trois, monsieur Holmes. Qu'y a-t-il dans ce bouton, comte? Il n'y a rien. Ah, il n'y a rien, hein? Alors, ça ne vous dérangera pas que je fasse ceci. En garde, comte. Non, mais qu'avez-vous? Je ne fais que me défendre. Je dis qu'il y avait du poison dans ce bouton. Vous dites que non. Si vous avez raison, qu'importe que je vous fasse une légère égratignure. Non, non, arrêtez. Jetez votre épée. Alors, comte. Oui, vous avez raison. Que s'est-il passé à Monte Carlo? Monte Carlo? Mais oui, Majesté, c'est là que Stéphane découvrit quelque chose sur lui. Qu'est-ce que c'était, comte? J'ai triché aux cartes. Il me surprit. Il prit mon honneur et la femme que j'aimais. Je voulais oublier ça, remonter la pente, mais il ne me le permettait pas. Il me le rappelait sans cesse, sans aucune pitié. Et ce qu'il y avait de plus insupportable, comte, c'était que vous continuiez à vous rappeler, vous aussi. Et que vous n'arriviez pas à échapper à votre conscience, n'est-ce pas? Le roi Johan et son escorte vont franchir les grilles, sire. Franchement, Holmes, je ne suis pas mécontent de retourner à Londres et de retrouver ce brave Lestrade. Poison, épée, cette cour de barbares, je ne suis pas fait pour ça. Je comprends vos sentiments et je les partage. Oh, Holmes, j'hésitais jusqu'à présent à vous en parler, mais est-ce que vous saviez que le comte Magor était champion d'escrime de l'armée? Ah oui, oui, je crois bien qu'on m'en avait parlé. Ah. Oh. Bien, bien. Je voulais dire, ne vous en vexez pas, mais j'ai tiré contre vous souvent et je pense, oh, vous n'êtes pas maladroit, mais... Enfin, pas très adroit. Je veux dire, pas assez adroit pour un homme comme lui. Ah oui, je savais tout cela, Watson, mais par bonheur, lui, non. Oh, mais je veux dire, que serait-il passé s'il avait déjoué votre bluff? Combien de temps auriez-vous pu tenir devant lui? Oh, voyons, disons environ 30 ou 40 secondes. Mais dans tout jeu basé sur le bluff, il faut qu'il y ait un certain élément de risque, sinon ce n'est plus un jeu, alors. Oui. Oui, eh bien, je serais heureux de revoir ce vieux Lestrade. Ne lui répétez jamais, Watson, mais moi aussi. Oui, moi aussi.